Comme le temps passe. Ce jeudi 13 juillet 2023 sur Instagram, Sophie Davant a mis à l'honneur son fils Nicolas qui fêtera très prochainement, et officiellement, ses 30 ans. Ainsi pour marquer le coup, la célèbre animatrice a retrouvé à l'avance sa fille Valentine mais aussi leur célèbre papa Pierre Sled de qui elle s'est séparée il y a plusieurs années déjà. Animatrice emblématique, Sophie Davant gère d'une main de maître sa brillante carrière. Celle qui a récemment renoncé à la présentation d'affaires conclues est également une maman comblée. Ses deux enfants Nicolas, 1993, et Valentine, 1995, fruit de sa relation avec Pierre Sled, sont sa plus grande fierté. Ce jeudi 13 juillet 2023, la journaliste a mis en avant son aîné via sa story Instagram à l'occasion de son 30e anniversaire qui approche à grands pas, le 24 juillet. Et le lendemain ce sera celui de son célèbre papa. Pour l'occasion la compagne de William Lémergie a donc retrouvé ses grands bambins mais aussi son ex-mari. Plus heureuse que jamais, Sophie Davant a bien évidemment immortalisé le retrouvailles. Face caméra, tous s'affichent rayonnants et très complices. Peut-être en raison de leurs emplois du temps surchargés, ces derniers ont fait la fête en avance. La présentatrice reste toujours occupée avec dévotion de son illustre clan. Pour Gala en 2017, l'acolyte de Caroline Margerie dont s'était volontiers livrée sur le sujet. J'adore les moments que je passe en leur compagnie. Je ne suis pas une maman copine mais le dialogue est facile entre nous, a-t-elle expliqué. On dîne souvent ensemble. Une belle complicité que Sophie Davant, à la rentrée sur Europe 1, chérit chaque jour. Récemment ma fille m'a dit qu'elle mesurait à quel point nos discussions l'avaient fait grandir et qu'elle aimerait bien être une mère comme moi. Ça m'a ému aux larmes. Férue de cuisine, cette dernière a d'ailleurs décidé de devenir journaliste culinaire après l'obtention de son diplôme en relations internationales. Passionnée par son métier, Valentine Sled a eu la chance de pouvoir participer au tournage de la 8e édition du Meilleur Pâtissier. En parallèle, la jeune femme a aussi lancé son propre site, Sled et Poivre, qui lui permet de partager avec les internautes des recettes et astuces pour s'alimenter sainement. Quant à son frère Nicolas, il est tout aussi polyvalent. Lui est très artiste, intellectuel, plutôt secret avec un monde personnel assez riche, a affirmé Sophie Davant dans son ouvrage Il est temps de choisir sa vie paru en 2017 aux éditions Albin Michel. Sous le pseudonyme de Sled, le frère de Valentine s'est produit dans différents clubs avant de créer son propre label Boom aux plages. Il a également fondé à Deauville un festival de musique. Fan de sport comme son géniteur, Nicolas Sled semble s'être aussi intéressé de près à l'univers de sa maman. Mon fils travaille dans une boîte de production en télé. Il prépare des émissions. En ce moment il travaille sur une production, sur une émission de divertissement où il prépare les fiches, il prépare le contenu, il cherche des images, nous avait révélé Sophie Davant en 2021. On peut dire que la relève est assurée.